Alors, rebonjour tout le monde. Ou rebonsoir, tout dépend quelle heure qu'il est et à quelle heure que cette vidéo sortira. Donc, finalement, je sais, mais venu en tête, donc j'ai utilisé mon oracle. Je l'ai appelé l'oracle légendaire. Donc, du coup, non, je ne mettrai pas ça là. J'ai besoin de ce coin-là. Donc, je l'ai appelé comme ça. Pourquoi? Je l'ai appelé Oracle Légendaire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les bêtes mythiques qu'on retrouve. En fait, c'est les bêtes qu'on retrouve dans les mythes et dans les légendes. Donc, il y en a beaucoup. Il peut y en avoir, bref, beaucoup. Donc, de différentes religion en fait. Voilà. Donc, je vais mélanger. Je sais pas, je pense que je vais faire pareil. Je vais m'en tirer 4. Voilà. Maintenant, je peux tirer. Je cote en deux, comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude, mais je cote une fois de temps en temps. Et je le dis. Donc, ceci, c'est la première. Ensuite, c'est la deuxième. Ensuite, la troisième. Et la quatrième. Voilà. Ah, celle-là, je crois que je sais à peu près. Et nous tombons sur le griffon, donc sur le deck. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, premier, c'est une carte neutre et c'est la momie. Donc, je vais vous la montrer après parce que je les tourne. Ensuite, nous avons le chien noir que je sais plus de quelle partie qu'elle est. Ensuite, nous avons le Minotaure. Et ensuite, nous avons l'elfe. Donc, c'est quoi le numéro? Je ne sais plus. Ah, ok, c'est le numéro 31. Il faut que je trouve. Donc, oui, ça va être un petit peu gossant. On va entendre les feuilles tourner. Donc, la momie. Donc, fait comme ceci. Donc, je vous rappelle, hein, cet oracle-là, c'est moi qui l'ai créé de A à Z. Donc, que ce soit l'illustration et tout. Donc, tout. Donc, la momie. Donc, c'est la malédiction. Donc, la malédiction est un malheur auquel on semble voué. Par le sort. Ce sont des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un. La momie est souvent représentée par une malédiction car elle reprend en vie. Elle peut elle-même utiliser des malédictions, ou plutôt utiliser des objets avec des malédictions. Vous ne jetez pas de sort pour maudire quelqu'un, mais vous lui souhaitez malheur. Ces derniers temps,
Vous sentez oppressé et une mauvaise énergie plane au-dessus de vous. Le cas contraire, vous vous sentez bien et vous avez une bonne énergie autour de vous. Mais vous vous sentez de bonne humeur à maudire quelqu'un. Il y a certaines personnes qui prennent plaisir à maudire d'autres gens. La momie vous dit de faire attention et que cela ne sert à rien de maudire des gens. Plus facile à dire qu'à faire. Il ne faut pas prendre la malédiction à la légère. Voilà ce qu'il nous dit. Ensuite, le chien noir, qui est le numéro 23, en fait, si je ne me trompe pas. Donc, ça aussi, je pense, c'est une carte neutre. La numéro 23. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est une carte neutre aussi, la numéro 23. La dépression. Donc, le chien noir, en fait, qui n'est pas tout à fait noir, mais plutôt violet. Voilà, je l'ai fait violet. J'ai envie de le faire violet. La dépression est un trouble mental courant caractérisé, pardon, par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration. Le chien noir présage la mort avec une impression de froid, de découragement et de désespoir, comme la dépression. Il est malveillant, dangereux et associé d'une façon ou d'une autre au diable. Parfois, il peut agir avec bienveillance en offrant sa protection et son aide pour vous guider. Cette carte ne veut pas dire nécessairement que vous êtes en dépression. Voyez là plutôt comme s'il vous manque ou perdu quelque chose. Le chien noir ne peut pas trouver les réponses à votre place. Il vous explique qu'il peut décider de vous aider ou de ne pas le faire, qu'il peut être là avec bienveillance ou non. Petit conseil, faire attention à cette carte explosive. Et ensuite, le Minotaure. Donc, entre deux barons. Le Minotaure qui est le numéro. Ça, c'est 19, si je ne me trompe pas. J'ai vu tout à l'heure. Qui est aussi une carte neutre. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est aussi une carte neutre. On a sorti beaucoup de cartes neutres. Puis une positive. Le prisonnier. D'habitude, le prisonnier est une personne qui est détenue dans une prison. Mais le Minotaure, lui, est prisonnier dans un labyrinthe, sans aucune sortie pour lui. En ce moment, vous êtes ainsi, ou plutôt, vous vous sentez ainsi. Vous aviez un blocage. Vous vous sentez coincé dans une pièce ou coincé dans un cube comme un mime. Vous pouvez être bloqué par un mur invisible ou un dôme. Vous pouvez avoir un blocage physiquement ou spirituellement. Pour le coup, vous êtes prisonnier de vous, de vos choix ou par les autres, dans le sens qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous imposer des choses. Ou plutôt vous imposer des choix. Le Minotaure vous dit que vous ne posez pas les bonnes questions ou que vous ne trouvez pas les bons énigmes pour sortir de votre labyrinthe intérieur. Inconsciemment, vous pouvez vous faire un blocage ou un autoblocage par la timidité et la gêne. Vous créez une carapace. La carapace vous sert à vous protéger des autres, mais elle sert aussi à vous bloquer au monde qui vous entoure. D'ailleurs, le stress et la nervosité peuvent être aussi la cause d'un blocage. Voilà. Voilà. Et la numéro 2, qui est l'ange. Non, l'elfe, pardon. L'ange. Non, c'est la carte numéro 5, l'ange. Nous l'avons vu dernièrement.
Là, c'est l'elfe. Donc, numéro 2, l'elfe, le naturel. Quand on est en amour, on dit souvent de rester soi-même. Quand nous demandons des conseils pour déclarer notre flamme, ils vous indiquent de rester soi-même. C'est d'être au naturel ou tel que l'on est. On peut avoir des produits, un style, un comportement, garder un air qui sont tout aussi naturels. Le naturel est directement issu de la nature. Donc, ce n'est pas du synthétique ni du artificiel créé par l'homme. Par exemple, l'homme peut créer des plantes synthétiques et artificielles. Mais de base, les plantes, c'est des produits naturels qui proviennent de la nature et de la terre. Conclusion, ils sont liés avec la nature, comme l'elfe. On peut considérer l'elfe comme une personne naturelle. D'ailleurs, l'elfe peut ressentir le danger, les émotions et le mal que nous apportions à la nature comme les animaux. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que certains vous ont, je sais pas, fait, qui vous ont parlé en fait. Voilà, j'espère que certaines cartes vous ont parlé pour aujourd'hui. Sinon, ben, on se retrouve. Demain pour le dernier stream du mois en fait parce que demain c'est le dernier jour du mois. Et oui, nous sommes déjà le 27 février. Ça passe extrêmement vite, il me semble. Enfin, pour moi, ça a passé tellement vite. Surtout parce que sans doute parce que j'ai fait beaucoup de tirages et là du coup, nous sommes dimanche. Le premier jour de la semaine, oui, parce que pour ceux qui pensent que lundi c'est le premier jour de la semaine, ils ont tort. C'est dimanche. Ça a toujours commencé par le dimanche, la semaine, et ça termine toujours par le samedi. C'est pas du lundi au vendredi. Ça, vous aviez tort. Du coup, je vous laisse là-dessus et on se retrouve demain en stream. Et mardi, peut-être pas de stream. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous redis ça demain, s'il y a un stream ou non, mardi. Voilà. À plus.